Bonjour à tous les bugs, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur la version globale de Token Battle pour une petite séance d'invocation. On a enfin fini de récolter tout ce qu'on pouvait récolter sur le mode de jeu Goku Rush, à savoir les 35 DS et les 35 tickets d'invocation sur le portail spécial Goku. C'est un petit peu dommage que on n'a pas eu 30 tickets comme sur la version japonaise. Après, il est vrai que sur la version japonaise, c'était durant la célébration Goku Day. Mais alors, ça veut dire que ces fameux tickets, les 30 tickets, peut-être qu'on les aura plus tard. Potentiellement, il y aura peut-être une célébration autour de Goku. Mais je sais pas comment ils vont l'intégrer en termes de com, parce que le Goku Namek vient de sortir. C'est à ce moment-là qu'il fallait, qu'il aurait fallu mettre en place ce petit cadeau. À moins qu'ils gardent ça pour un éventuel topeng. On croise les doigts les amis, on croise les doigts. Avant de commencer, la VOD comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, pensez également à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream. Oui, on reprend les séances de stream. Et puis, n'oubliez pas également que je stream sur Twitch, tout ce qui est contenu autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow, le lien se trouve dans la description. Alors le portail, je rappelle, propose que des Goku. Ce Goku, je l'ai déjà, mais je ne dirais pas non à quelques doublons. Hein, évidemment, il est très très bon, c'est le meilleur des Goku. Ce Goku bleu, il a un éveil, sympa, mais pas exceptionnel. Goku agilité, je crois que c'est le. C'est pas le moins intéressant, mais je le trouve pas ouf quoi. Le Goku CG3 qui a un éveil en ZTR, je l'ai déjà, mais pas à 100%. Lui non plus, je crois que je l'ai pas à 100%. Donc lui, par contre, il est très très bon, le CG2. Le Goku Kaioken, pas mal du tout, je l'ai pas à 100%, donc pas, je dirais pas non des doublons. Et lui, le Goku SCG2 GT, très bon également. Je dirais pas non, évidemment, pour quelques doublons. En fait, ce qui nous intéresse surtout, les amis, c'est ce qui est hors détecteur, encore une fois. Il est où? C'est un certain Goku qui nous intéresse le plus, les amis. Esprit combatif calme, et ça veut dire Goku et SCG3 Neo LR. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Si on peut le dropper, ce serait le feu de Dieu, hein, je dirais. Ah, ce serait le fan, parce que je ne le possède pas. Ce qui est horrible, c'est que je crois que sur la version japonaise, je l'avais droppé alors que j'avais déjà à 100%. Voilà, le seum coulait dans mes veines, les amis. Bon, allez, c'est parti. On croise les doigts, un maximum de pouces bleus, les amis. Ça nous a demandé quand même pas mal de temps de farmer tous ces tickets, hein, parce que le Goku Rush c'est 30 minutes x 7. Ça fait 350 minutes. Non, 210. 210. Excusez-moi. J'ai faim. J'aurais dû manger avant d'invoquer. Bon, 5 tickets. Du coup, pas de SSR. Un SSR! Ça commence fortement bien. Bon, c'est pas celui qu'on voulait. Parmi les doublons qu'on voulait récupérer, lui. Goku Nordax, c'était. C'était utile. Pendant une petite période de Dokkan, mais après Osef. Hein. Un petit peu Osef, c'est un peu dommage. Après, on n'est pas à l'abri qu'il passe ZTU un jour. En tout cas, un petit SSR, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours 10 000 points chez Baba. Non, on les garde. On essaie de mettre tout le monde à 100%. Je n'ai pas à 100% ce Goku. C'est le fameux sur Goku Nordax. Mon premier SSR, franchement pas mal. Le taux drop est de 10%, je crois. Donc 7 tickets, en gros on devrait s'attendre à 3 SSR, entre 2 et 3, et 4, enfin on va dire entre 2 et 4, si on en a la moyenne. Bon, le top 1, j'avoue que depuis quelques jours on se posait la question, iOS se fait, enfin Dokkan se fait malmener sur iOS et sur Android c'est pas vraiment ça. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce qui pourrait... provoquer un topeng, ou sinon ils vont nous faire un mille merci. Voilà, un mille merci, merci d'avoir joué à Dokkan Battle durant cette célébration. Allez, 30 tickets. Ah, les combinaisons. Bon, après, s'il y a une combinaison, ou peut-être un bye bye. Moi, je veux pas de combinaison détecteur en fait. Ah, dommage. Je veux un SSR, mais hors détecteur, les amis. Ah, le seul que je convoite, il est hors détecteur. Non, ça sent la S, là. C'est de la multi de la S. Là. Aïe, aïe, aïe.
Bon, est-ce que je peux avoir... Alors, il me reste 20 tickets, donc... Oh! Attends, si fusionne. Ah, détecteur. Ah non. Non, non, j'aurais préféré qu'il fusionne, parce que si fusionne, ça veut dire LR. Le Goku Kaioken. Je l'avais pas à 100%. Stack à l'infini, je crois, au niveau de l'attaque et la def. Peut être utile pour le Goku Roche, mais il faut vraiment qu'il faut avoir des doublons. Pour l'avoir testé une première fois, si t'as pas beaucoup de doublons, c'est un peu galère. Donc il faut l'avoir à 100%, je pense. Et il faut ralentir la progression pour qu'il stack un petit peu. Deuxième SSR, bon. Maintenant, le reste, on va dire. Non, on va dire 3 SSR, c'est la moyenne. Après, le reste, c'est du bonus. Ça ressemble pas vraiment à. Ça ressemble pas vraiment. Ah non, ah, c'est mort. C'est mort de ouf, les amis. Après, à l'époque, en fait, on gardait tous ces SSR pour monter l'aspect des différents Goku SSR. Sauf qu'entre-temps, on a eu tellement de choses nouvelles, des unités SSR farmables, etc. Donc désormais, les SR ont... C'est vrai, en fait, les SR ont quasiment plus aucune valeur, excepté pour la collection. Voilà. Mais sinon, c'est... Voilà, c'est... Oh, la fusion! Attends, ça garantit une fusion, ça? Mais non! Attends. Attends. À partir du moment où il y a un LR, c'est forcément un LR. Oh! Oh! Aujourd'hui, c'est une bonne journée, les amis. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Oh! Oh! Le portail légendaire m'a insulté. Enfin, je parle le précédent portail légendaire. Et là, sur le portail, il y a ticket. Oh, la fusion. Parce que je me dis forcément, à partir du moment où il y a un LR, à partir du moment où il y a une fusion, c'est la garantie, les amis. Même si Végéto, il passe pas bleu. Voilà, les amis, je rends la luck. Oh, je rends la luck. Bon, je sais qu'entre nous, enfin, une grande partie d'entre vous ont déjà claqué leur ticket, mais je rends la luck, les amis. Quel plaisir. Quel plaisir, les amis. Oh, je suis content. Ah, je suis content. Je sais pas quoi vous dire. C'est. Double SSR en plus. Bon, lui, on va bientôt l'avoir à 100%. Là, on est dans la moyenne haute. On a 4 SSR. Le reste, c'est du bonus. Hein, le reste, c'est du bonus. Oh, on est refait, les amis. Très honnêtement, je m'attendais pas à le dropper. Non. Je me suis pas levé ce matin en disant ah, j'ai droppé un Goku et c'est J3 Neo LR aujourd'hui, tu vois. Non, ce matin, je me suis levé, j'avais la tête dans le cul, j'avais froid. Journée pluvieuse, c'est la S, tu vois. Et ben non. Oh, quel plaisir. Un nouveau Neo LR dans sa box free-to-play, parce que oui, c'est mon compte free-to-play, 0 centime a été claqué sur ce compte. Encore un nouveau LR. Comment on le monte lui de nouveau? Ok. Ça c'est quoi ça? Combat. C'est le LR non? Tapion, Goku c'est juste un LR et. Je sais plus quoi. Surpassement total. Ça doit être le CJ3 puissance peut-être. Mais là je sais pas ce que c'est. Combat super sérieux. Non, c'est sérieux, c'est ça? Attends. Ah ouais. Ah ouais, c'est le truc R là? Non, débarre. Ok. Oh, c'est simple. Oh, ça va, c'est simple. Oh là 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 là, quel plaisir. Bon, allez, le reste, c'est du bonus. Allez, un petit doublon. Est-ce qu'on peut être gourmand à ce moment-là? Est-ce qu'on peut se permettre de demander un petit doublon? Non, ça c'est pas de détecteur, ça c'est rien du tout. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, les amis. Arc-en-ciel. Non, imagine, je drop un double. Oh, SSJ3. On est dans la moyenne très très haute. On a 5 SSR. C'est du jamais vu, les amis.
C'est jamais vu dans l'univers de la Dokkan Battance. Ah oui, non. Encore une fois, à l'époque, il était pas mal. À une certaine époque, il était pas mal. Des gains en pourcentage. Il y avait un débat à l'époque, oui, qui est meilleur entre le Goku bleu Kaioken et le Goku bleu tout court. Et le Goku Kaioken perdait face à ce Goku, enfin face à Goku, face, pardon, à ce Goku par rapport au combat long. Et à l'époque, les combats longs, ça n'existait pas, tu vois. Mais bon, encore une fois, de l'eau a coulé sous les ponts, sous SSR, prend la poussière, on attend maintenant son éveil en ZTUR, peut-être qu'il reviendra dans le game. Bon, franchement, voilà, 5 SSR, on est grave, grave, grave refait, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez droppé, les amis, mais moi, je suis refait. Je suis refait parce que le plus important, il est là, les amis, le plus important, le seul truc qui était worse. Parce que bon, 210 minutes de farm, donc ça veut dire quasiment plus de 3 heures de farm de Goku Rush. Voici la récompense, les amis. Voici la récompense. J'espère sincèrement que vous avez tous droppé un petit Neo LR, les amis. Ça fait toujours plaisir à la famille. Comme d'habitude, hein, je rends la luck à tous les abonnés. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez à activer les notifications. Ce soir, on va le monter, les amis. On va le monter. Ah, bah tiens, je vais utiliser tous les Goku SR que j'ai droppé pour monter sa spé. Tiens, tant qu'à faire. Bon, voilà, ils sont là. Autant les sacrifier pour la bonne cause. Puis après, je vais farmer le Goku LR. Le Goku, enfin non pas le Goku, le Goku SSR, enfin les défauts Goku SSR qu'on peut dropper à droite à gauche pour monter sa spé, les amis. Passez une très très bonne journée. Moi je suis refait, hein. Moi je suis refait. Ma journée commence super bien. À très bientôt. Ciao.